Bonjour à toutes et à tous. Comme le veut désormais la coutume, c'est aux portes de l'hiver que je rejoins notre caméraman Jean-Baptiste Morel pour vous présenter ce qui est déjà le volume 4 de En session avec Fox. Un DVD qui est vraiment tourné sur la diversité des lieux, des techniques de pêche abordées. Et sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Alexis et Delphine sur un grand lac du Sud-Ouest, eux-mêmes rejoints par Jean-Baptiste pour une session pleine de bonne humeur. Alors oui, je me trouve sur un plan d'eau dans le sud de la France, dans le sud-ouest. À peu près 500 hectares quand il est plein, mais là il en manque une bonne partie, donc il est un peu plus petit. Et donc du coup, je suis là depuis quelques jours, je fais une session à bord de mon bateau. J'ai eu quelques touches. Et Delphine et Alexis sont aussi sur ce lac depuis 2 jours. Et du coup, on a décidé de se rejoindre et puis de faire une petite pêche entre nous, alors cette fois-ci depuis le bord. Et je vais essayer de troubler leur petite vie de couple. Je pense qu'ils vont être enchantés de me voir. Ils pensaient passer les vacances tranquilles, mais là... On aura un beau coucher de soleil ce soir. Ouais, il est trop trop beau. Ouais. J'ai hâte. Ah, c'est sympa, comme ça l'horizon, tout ça, c'est joli. T'as eu JB au fait au téléphone? Ouais, je pense qu'il devrait pas trop traîner là. Ah bah tiens, regarde. Ah ouais. Sur son rafio là-bas... Mais le coucher de soleil en amoureux, c'est mort. Ouais, je crois que ça va être un peu loupé. Ouais. C'est mort de chez mort, mais bon. Kersozon pointe son nez. J'ai vu ça là-bas. Et l'autre, il est en t-shirt, non? Bah oui. Oh putain, le nordiste, il arrive. Et ils font déjà la gueule. Hé, hey, le touriste! T'as pas froid? Non, oh, il fait beau, ouais. Bon, par contre, il y a un petit peu de vent. Hein. Ouais. Ah bah écoute, ici, tu vas te servir. Hein. Bienvenue. Bon Delphine, j'ai pas trouvé de fleuriste. Oh, donc du coup, je t'ai ramené un petit bouquet de Dresden. Ouais, j'ai un petit bouquet de moules, mais c'est gentil. Salut. Chaud patate. Hé, Virgule. Allez, viens. Allez. Viens. Allez. Allez. Attends, elle va avoir le mal de terre. Elle va vomir. Bon alors c'était? Bah ouais, nickel. Nickel? Nickel, ouais, ça a un, ça peu, un peu bastonné. Ouais. ouais, parce qu'on a vu. Je fais un joli poisson. Ouais. Ah. J'en ai loupé quelques-uns. Bah c'est bien, une bonne entrée en matière. Bonne entrée en matière, ouais. Un gros fiche? Ouais, une belle commune, ouais, ouais, fait entre 16 et 17. Oh. Un bon début, c'est bien. Propre, ouais. On va essayer de transformer l'essai ici. Puis, ouais. Et vous? C'est quelques jours sympas. Bah la miss, elle a levé les hostilités, elle fait 2 poissons là. Et... Oh putain, on a déjà 2 poissons dans la gueule. On part déjà avec du retard. Allez, on y va, on se bouge. Il va falloir boycotter là. Bon, t'as vu une partie du lac. Donc en fait, le bras, il y a 2 bras, c'est ça? Ouais, il y a c'est grand ça. Bras. Moi j'ai pêché le grand bras et là on est dans le petit bras. Là on est dans le plus petit. Bon, ça fait quand même une bonne surface. Ouais, ça fait 400. Il y a 450 hectares d'eau. Au total, ouais, c'est ça. Voilà. Et le petit bras est un peu plus petit que le grand, quoi. C'est mais... ça, on a à peu près 150-180 hectares, je pense. Ça fait quoi, 4 km de long, 3 km de long? Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais. Sur le grand bras, ouais, c'est dans ces eaux-là. Et il y a des arbres. Il y a des arbres de partout. Ouais. Dedans, j'ai vu ça. De partout. Il y en a devant, il y en a dessous, il y en a au loin. Il y en a... Dehors, qu'on voit pas. Ça. Des petits, des grands. C'est le bordel. Et des herbiers. Par contre, moi, j'avais pas vu d'herbiers. Et là, j'ai vu qu'il y a Il y a beaucoup d'herbiers. Ouais. Il y a pas mal de fonds sableux ici, c'est pas mal. Beaucoup de corbicules, de Dresden, un peu partout sur les rochers. Les fonds, c'est surtout de la glaise. De la glaise, ouais. Glaise, pas mal de belles poches, de belles tranches de sable. Ouais. Ouais, on sent à la dépose, tu verras qu'il y a vraiment différentes textures.
C'est une pêche intéressante. Il y a pas mal de recherches à faire sur les passages de poissons, tout ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Il y a une canne qui était posée au ras des arbres et pour l'instant. J'ai fait une touche dans les branches, j'ai loupé, j'ai retiré mes cannes. Ouais. J'ai retiré mes cannes des arbres. J'ai dit, si c'est pour faire ça, ça sert à rien et on a aucune chance. D'autant plus que le niveau il baisse. Au fur et à mesure, au fil des jours, le niveau baisse. Bah, tu sais, sur le bateau, on a un peu de mal à savoir quand ça. Sinon, il descend en fait. Mais là, tu vois, on s'en aperçoit vraiment bien et je pense que ça en plus amplifie le mouvement et ça fait un peu reculer les poissons. Donc, et les profondeurs sont pas si loin que ça en fait. Ouais. Je te dis juste après les arbres, t'as 8 mètres. T'as une ou deux marches assez franches. Ouais. Et on va dire dans l'ensemble, c'est quand même une pente relativement homogène. Donc tu pêches en bas des cassures. Ouais, c'est ça. Bon, bah ok. Bon, écoute, il reste 2 heures de soleil. Je vais. Ouais, on va se pêcher. Monter les rapides. Et puis surtout mettre mes cannes quoi. Fais un petit coup de main. Comme ça. Ah, c'est pas de refus. Allez, on est parti. C'est parti. Après, apéro. Voilà, ça y est, là, je viens d'aller rechercher mon Zodiac dans lequel il y avait le Bivy et le Betcher. J'ai garé mon bateau, le gros, et là, je mets mes cannes. Alors, j'ai déjà mis deux cannes, dont une dans une cassure à 15 mètres, une deuxième dans une cassure à 12 mètres. Et là, je vais rechercher la première cassure qui est juste derrière les arbres. Alors, je ne vais pas pêcher dans les arbres, ça ne sert à rien. J'ai essayé de faire ça en bateau, de les prendre dans n'importe quel sens. C'est faire de la touche, ouais, mais par contre, c'est perdre... Les pertes de 70% des poissons, ou pêcher vraiment frein serré et leur arracher la gueule. Donc du coup, je préfère pêcher derrière. Manque de bol pour moi avant de venir ici. J'avais téléchargé une carte pour mon écho. Et donc il y a quelqu'un qui était déjà venu avec un sondeur comme le mien qui avait partagé en fait toutes les traces qu'il avait fait avant. Donc j'ai la totalité des fonds avec les cassures différentes aux endroits avec les points GPS. Dans l'autre grand bras, et malheureusement en fait le petit bras il a jamais été fait, donc ça devait être un pêcheur au carnassier le mec qui avait fait ça. Donc du coup pour le petit bras je suis obligé de faire ça un peu comme ça à la va-vite avant qu'il fasse noir. Mais c'est vrai que d'avoir la carto en avance sur une destination, ça permet de dégrossir quoi. Donc il y a des arbres vraiment qu'on voit, il y en a surtout qu'on voit pas du tout, et c'est vraiment selon moi les plus dangereux. Et l'avantage en fait c'est que grâce à une très grosse pierre comme celle-là, en fait le poisson quand il va se prendre ça dans les lèvres en se ferrant, le réflexe c'est comme quelqu'un en apnée ou un plongeur ou même vous à la piscine, c'est quand on vous maintient par le pied au fond de l'eau, votre réflexe c'est de monter en surface, ça beau être un poisson, ils sont exactement pareils, ça beau vivre dans l'eau. Donc quand il va sentir ça, ça fait à peu près 500 grammes, 400 grammes à peu près. Du coup en fait le poisson va venir claquer en surface et le temps qu'il vienne claquer en surface, il va pas aller chercher les branches. Donc là il n'y a pas de question à se poser, c'est du sable partout. On voit bien, ça brille bien à l'écho. Là, c'est sur la vue du bas. Voilà, et là, ça descend. Donc, on était déjà à 6 mètres derrière les arbres. Et là, on est à 7 mètres 70. Alors, j'évite d'utiliser des cailloux secs. Parce qu'en fait, le problème des cailloux secs qu'on récupère dans la bordure, en fait, c'est qu'ils ont un peu tendance à buller dans tous les sens et à perdre de leur vase. Dans l'avantage, quand on le prend dans l'eau, un caillou qui est dans l'eau, en fait, il est déjà lavé, quoi. C'est sinon, ils ont tendance un peu à s'essorer dans l'eau. Et voilà, c'est mon petit montage qui va bien. Donc, il faut accompagner tout doucement le poids. Mon frein est desserré. J'ai déposé mon montage. Toujours le plomb à l'inverse. Voilà, là, mon plomb est bien posé. L'avantage de mon montage, mon bas de ligne rigide, eh bien, c'est que là, on peut tâter le fond un peu. Voilà, c'est relativement dur. Bon, c'est vrai qu'avec 400 grammes au bout, on ne sent pas grand-chose. Et puis là, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je mets vraiment une petite poignée sur mon montage, voilà, comme ça. Et par contre, au lieu de faire une zone vraiment large de beaucoup d'appâts, en fait, je vais mettre quelques appâts un petit peu partout. Très très large, parce qu'en fait là on est sur une cassure, donc il faut essayer d'intercepter les poissons qui sont de 9 à 6 quoi. Alors, on voit mes bouillettes descendre au sondeur.
On va retourner au bord. Alors, petite astuce qu'on a trouvée avec Alexis, c'est soit de mettre des bouées ou alors de poser tout simplement la ligne. On la pose sur les petits V des branches, comme ça, ça permet de surélever la ligne et d'éviter qu'elle frotte. Parce qu'en fait, comme vous avez pu voir sur le bouquet de fleurs que j'ai offert à Delphine, en fait, tous ces arbres ils sont remplis de moules. Donc, du coup, votre fil il frotte, votre fil il est coupé quoi, directement. C'est pour ça que j'ai une grande longueur d'arraché de façon à ce que. Vraiment, ces précieux mètres soient vraiment protégés. Et voilà, on revient au bord. Magnifique pépite capturée ce matin, un des joyaux que recèle ce lac. Splendide poisson qui passe la barre des 20 kg. Vraiment sublime. Celle-là, on peut dire qu'elle sort pas souvent. Je m'aventurerai pas à dire que c'est la première fois, mais elle doit pas en être loin. Une morphologie. Magnifique, un écaillage vraiment superbe dans un lieu qui est vraiment incroyable, difficile mais incroyable. Et à chaque capture, c'est vraiment une surprise au fond de l'épuisette. C'est juste magique. Bon, je vais vous emmener avec moi déposer la canne sur le repère, la canne qui a démarré ce matin. Typiquement, c'est un spot qui est dans 15 mètres d'eau, au pied d'une cassure. La cassure passe de 13 à 15 mètres, c'est assez vertical, quelques éboulis. Et tout de suite derrière, on a un petit 50 cm de fond dur et tout de suite de la vase. Donc j'avais posé vraiment limite dur vase et le poisson a démarré ce matin. Donc là on va y aller, ça sera pas simple avec le vent, un gros vent hein, comme d'habitude sur ce lac, donc pas facile d'être précis. Mais il y a un repère sur le spot, exactement à l'endroit, vraiment à quelques mètres de l'endroit où je l'ai déposé. Donc bon, visuellement je pense qu'on devrait pas trop mal s'en sortir. Et donc on va aller poser cette canne en espérant qu'elle redémarre très rapidement. Là, on est arrivé sur le spot. Vous pouvez voir le repère qui est sous l'eau, donc c'est volontaire. Il est à peu près 20 cm sous la surface pour une seule raison, c'est comme c'est un lac qui est très fréquenté au niveau de la navigation, beaucoup de véliplanchistes, beaucoup de voiliers,
Ça évite qu'il embarque, tout simplement. Donc par curiosité, des touristes, des promeneurs me le prennent et me le déplacent. Donc là, il n'y a que moi qui sais où il se trouve. Donc évidemment, il faut un petit coup d'œil pour le trouver. Mais au moins, je suis sûr qu'il ne bougera pas. Donc au fond, c'est un repère H, un classique, un grand modèle. Et au bout, j'ai mis une pierre qui fait un bon kilo, histoire que voilà, ça reste vraiment bien en place et qu'il n'y ait aucun problème de dérive du repère. Donc avant de déposer la ligne, je vais d'abord poser l'amorçage. Pour une simple et bonne raison, c'est que poser la ligne, je vais essayer d'être le plus précis possible. Et une fois posé, il faut que je retourne évidemment rapidement sur le spot, sur le bord. Donc je vais d'abord poser mon amorçage, bien l'étaler, je vais le faire proprement. Et ensuite, je poserai ma ligne dessus. Ce ne sera pas au centimètre près sur l'amorçage puisque ça sera bien étalé. Mais au moins, la canne sera bien posée et je vais éviter de dériver pour amorcer la ligne. Donc là, je me cale tout le temps cul au vent. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le meilleur moyen de se stabiliser. Si on se met nez au vent, on a toujours le vent qui prend d'un côté ou de l'autre et c'est impossible, on fait qu'un zigzag. Et là, on le voit, j'ai juste à jouer avec le moteur pour rester bien dans l'axe du vent. Et ça me permet de rester vraiment au niveau du repère qui est juste là. Donc je vais régler la vitesse pour me caler à celle du vent, pour rester bien en place. Pour y amorcer proprement, j'aurai quelques instants. Et pour poser la ligne, c'est pareil, j'aurai bien le temps de tâter, de trouver ma cassure et de bien poser sur ma limite dur-mou. Et après, je fais demi-tour et je retourne au bord tranquillement. Et ça se passera très bien. Pour bien trouver la cassure, je pose un peu avant. Là, il y a 12-13 mètres d'eau. Là, le fond est dur. Là, j'arrive juste vraiment sur la zone de cailloux, limite des éboulis. Voilà. Là, le nœud passe sous la surface de l'eau. Tac, là, je suis en bas. Maintenant, je vais tâter le mou. Voilà. Là, je suis sur le mou. Vraiment sur la limite dur mou au bas des éboulis. Donc, ce que je fais toujours, je vais mettre le bas de ligne dans l'axe d'arrivée supposée des poissons. J'ai bien supposé. Hop, voilà. Donc là, en l'occurrence, le plomb vers le repère. L'appât à l'opposé, évidemment. Comme ça, les poissons qui vont longer la cassure vont tomber directement sur le bas de ligne. Ce sera parfaitement opérationnel, puisque dans l'axe d'arrivée des poissons. Et en plus, le plomb étant près du repère, par réflexe de fuite, le poisson partira à l'opposé du repère. Donc j'évite vraiment tous les risques d'emmêlage. Donc là, c'est posé, c'est propre. Je n'irai pas au centimètre près, mais pas loin. Maintenant, on va retourner au bord tranquillement. Donc je fais vraiment attention à laisser le frein très libre, vraiment très peu de résistance au départ. Simplement, la ligne est posée sur une branche, donc pour éviter de l'usure de la tresse ou une section, on va dire, accidentelle, je préfère laisser le frein bien libre. Là-bas, de toute façon, il n'y a aucun obstacle à part la marche, mais c'est pas grave. Le poisson partira en pleine eau, je le rejoindrai tranquillement, mais je veux vraiment prendre aucun risque avant d'arriver sur le poisson. Donc là, la ligne est posée, calée, je vais mettre le caillou. Parce que j'aime bien les cailloux, maintenant vous le savez. Mon petit caillou à 3-4 mètres du bord, ça me permettra de couler ma ligne sur les premiers mètres et de pouvoir passer avec le bateau au-dessus des cannes, vraiment facilement en cas de touche et d'éviter de lever la ligne ou de se mêler dedans, etc. Juste à poser un caillou et je suis tranquille. Je vais à présent vous présenter le montage que j'utilise sur cette session. Montage, on va dire, relativement classique. Donc, je ne vais pas vous montrer l'intégralité du système plomb, si ce n'est que j'utilise un clip plomb, un plomb Klingon en 340 grammes, tête de ligne en snag leader 60 centièmes. Donc, relativement classique.
bon, on va dire pour faire face à ce genre de situation. Au niveau du baline, j'utilise un baline rigide, à peu près 20-25 cm. Par contre, avec la particularité d'avoir un cheveu souple. Pourquoi ? Parce que j'utilise des appâts relativement gros, 24 ou 30 mm, et ça me permet d'avoir une présentation optimale de lèche sur le fond, et d'avoir l'hameçon bien plaqué, et une présentation vraiment, vraiment efficace. Donc pour la réalisation de ce montage, j'utilise le fluoro Illusion Transkaki en 50 centièmes. J'en coupe quelques centimètres. Et la première étape, c'est de réaliser le cheveu. Donc je fais un nœud, tout ce qui est de plus classique, que je serre quasi intégralement. Ensuite, pour le cheveu souple, comme je vous ai dit, je prends la tresse, donc là en l'occurrence la Reflex Camo en 15 livres, tresse assez fine, très souple, mais aussi très résistante. Donc là, je prends la Reflex Camo, on peut très bien utiliser la tresse Air Braid dans la gamme Edge. Il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça également. Là, c'est juste que j'en ai pas sur moi, donc je fais avec les moyens du bord. Je réalise avec la tresse la boucle du cheveu. Ensuite, pour relier la tresse au fluoro, donc j'ai passé la tresse dans mon nœud. Maintenant, je serre le nœud du fluoro. Je ramène la tresse à proximité du nœud, 2-3 cm. Et là, je vais réaliser le nœud. Donc, je pince l'extrémité, la base plutôt du montage. Je fais 5 tours. Et je ramène dans la boucle. Je resserre progressivement de façon à avoir la bonne longueur du cheveu. Et là, le nœud est parfaitement réalisé. Reste juste à couper les excédents de fluoro et de tresse. Et là, j'ai ma terminaison qui est prête pour faire mon cheveu. L'étape suivante, bien évidemment, comme pour tout montage, on enfile l'appât sur le cheveu, on y met le stop. Et la partie du cheveu est faite. Au niveau de l'hameçon, donc sur des pêches fortes comme ici, j'utilise les S4 XS en taille 4, ce qui est largement suffisant même sur des appâts assez gros. 24 ou même 30 mm, ça pose absolument aucun problème. Donc ces hameçons ont la particularité d'être très fort de fer, très résistant sur des pêches comme celle-ci. Donc c'est vraiment un choix, je pense, judicieux. Donc là, je réalise un nœud sans nœud, tout ce qu'il y a de plus classique. Je viens coller le cheveu et la base au niveau de l'œillet. Je fais mon nœud sans nœud. On repasse derrière, toujours. Je viens serrer. Et le montage est quasi prêt. Ensuite, à l'extrémité, j'utilise un améréon à anneau, comme celui-ci. Donc, je fais un nœud tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je vous avais dit une vingtaine de centimètres. Je coupe l'excédent et j'ai mon baline qui est terminé. Ça pêche, c'est propre, ça pique bien et ça permet d'utiliser des gros appâts sur des balines rigides ou semi-rigides. We'll be right back.
Allez, va, hein. Encore un poisson capturé en plein eau, 16 mètres d'eau. Donc c'est bien au petit matin. Apparemment il y a pas mal d'activité sur le lever du jour. Joli miroir, donc ça fait un beau petit doublé pour Delphine et pour JB. Donc c'est bien, vraiment satisfaisant. Un peu de touches, mais des touches régulières, donc c'est que je pense qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. Donc c'est plutôt positif, c'est bien. On va aller voir sur le tapis ce que ça donne concrètement maintenant. Yeah! Alors Alexis parlait de pépites dont recelait ce lac, et bien là on a un exemple même. Ça n'a pas besoin de faire 25-30 kg, ça c'est juste sublime. Donc un super poisson pris dans 15 mètres d'eau avec le montage en camotex TIF. Voilà, super super poisson. Alors on pêche pas très très loin parce que la cassure elle est à peine une centaine de mètres. Donc il n'y a pas besoin de pêcher très très loin en grand lac. Voilà, là c'est sublime. Génial, j'ai pas besoin de plus, je peux presque rentrer à la maison. Yes! Voilà pour moi. Une belle surprise arrivée ce matin sur un beau lever du soleil. Troisième fiche cette semaine, assez contente. 13 kilos, plutôt pas mal, mais toujours des jolies fiches sur un super lac comme celui-ci. Capturé 16 mètres de profondeur, c'est quand même assez surprenant. Et toujours la bouillette de 30 mm qui pêchait depuis plus de 2 jours. Donc super contente. Belle semaine qui se termine, en espérant en faire une quatrième quand même avant le départ. Alors je vais vous présenter mon montage favori qui reste toujours donc la camotex TIF que j'ai donc dénudée sur quelques centimètres, ce qui va me permettre donc une certaine articulation. J'ai également choisi l'hameçon SSC numéro 4 qui est juste ici. Pourquoi j'ai choisi encore une fois ce montage? Tout simplement parce que sa rigidité me permet de déposer en profondeur et surtout de ne pas mêler. Alors, en termes d'appât, nous avons choisi les fameuses bouillettes Starnuts. Également, le liquide de krill et la poudre de moule. Mais vous pouvez aussi utiliser le liquide de moule à la place du liquide de krill. Alors, je vais y déposer donc sur mes bouillettes le liquide. Alors, il ne faut pas hésiter. Sur la quantité, c'est un liquide qui est très épais.
Tac. Je vais donc remuer. Ça donne ce résultat final. Ensuite, la poudre de moule. Alors de façon à recouvrir en fait toute la surface supérieure. Hop, et en fait je mélange. Dernière étape. Et là, ça donne ce résultat. Alors au niveau de l'amorçage, vous avez deux solutions. Soit vous amorcez de suite, mais la bouillette risque de se délaver au moment de l'amorçage et de la descente de la bouillette. Ou alors, vous pouvez très bien laisser reposer pendant 12 à 24 heures. Une croûte va se former en fait juste autour de la bouillette. Quand vous allez amorcer, la bouillette va se poser au fond de l'eau, et ce qui va permettre donc une diffusion plus longue et va donc marquer le fond au niveau de l'amorçage. Alors pour ma part, en termes de montage, un peu comme Alexis et Delphine, je suis parti dans du costaud avec quelques petites variantes. La première chose, c'est que donc j'ai encore de lignes en tresse submerge qui coule très très bien. Ensuite, j'ai un leader en snag leader line, donc c'est plus de 60 centièmes donc en clear. Donc ça fait déjà une dizaine d'années que c'est dans la gamme. J'ai un arrangement clip plomb. Alors la particularité de celui-là, c'est que j'ai rajouté une tétine, les nouvelles Naked Sleeve, qui sont en fait un modèle rallongé et affiné de façon à pouvoir épouser correctement quand on utilise des leaders en nylon et non pas les modèles normaux qui sont plutôt pour les lead core ou pour les leaders submerge. Ensuite ici j'ai un quick change, une agrafe quick change avec un anti-tangle sleeve, donc une tétine quick change que j'ai un modèle rallongé. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait j'ai pris les modèles Zig, donc les modèles qui sont XL, que j'ai légèrement coupé. Je voulais avoir une tétine rallongée parce qu'en fait je vais utiliser une pierre de façon à maintenir mon bas de ligne vraiment très très loin de cette pierre qui va venir se mettre à côté de mon clip long. Ensuite j'ai un bas de ligne, donc forcément comme j'utilise une pierre en Camotex stiff 20 livres en clear, parce que le fond ici c'est de la glaise très claire, donc j'ai utilisé le modèle clear. Rallongé aussi, donc là on a presque 30 cm puisque je veux que ça soit maintenu assez loin de la pierre. Quand le vent se lève ici, il peut arriver qu'on laisse les cannes pêcher presque 48 heures voire même plus, donc il faut vraiment être sûr que ça pêche pendant 72 heures et non pas perdre son temps. Donc dessus j'ai mis un petit peu de pâte plombée. En termes de bas de ligne, en fait j'ai un genre de caddy rig sur lequel j'ai rajouté un petit line-lina en trans kaki. J'ai juste dénudé la dernière petite partie. Donc à caddy rig, ici j'ai un S4 de la gamme Curo. Alors il a été customisé en fait par une société qui s'appelle Pinpoint en fait, qui est on va dire un peu comme Mercedes à AMG en fait. Fox permet à une compagnie de customiser les hameçons. Donc en fait ils sont réaiguisés de les façons à les rendre ultra ultra sharp. Donc ils sont vraiment, on peut voir, on passe juste le doigt juste au bord. Donc c'est vraiment pour que le moindre poisson, la moindre sollicitation, le poisson soit piqué. Et ensuite, c'est pas un bonhomme de neige, c'est juste deux bouillettes d'une vingtaine de millimètres, parce qu'il y a quand même pas mal de brèmes ici, et notamment des chevennes et des hybrides. Et en rosip, parce que contrairement aux infos qu'on avait, pas mal de plans d'eau de la région sont infestés de poissons chats. Et bien ici, il y en a quand même, et même dans 7-8 mètres d'eau, 10 mètres d'eau, 12 mètres d'eau, en fait, ils arrivent à nous rogner nos bouillettes au fish meal. Donc voilà, un montage assez simple. Et là, je vais vous montrer tout de suite comment on réalise un nœud ultra costaud de façon à relier votre tresse à votre arraché. Alors, je vais vous montrer ce fameux nœud de raccord en fait entre la tête de ligne, donc en gros nylon, et puis votre corps de ligne en tresse. Alors, c'est un nœud qui nous vient donc de la pêche au thon.
qui est un genre de nœud sans nœud, qui est très 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 solide, mais qui demande un petit peu de temps de préparation. C'est pour ça que je me suis mis dans le bivy pour faire ça au calme et sans vent. Donc la première chose à faire, en fait, vous avez monté votre tresse, vous avez passé votre tresse dans vos anneaux. Vous avez ici votre moulinet avec votre manivelle, avec le frein ici. Alors c'est assez simple, il suffit juste de prendre votre corps de ligne en tresse, comme ceci, de faire une boucle. Voilà, une grosse boucle, simple boucle. Voilà. Cette boucle, on vient la coincer dans la manivelle du moulinet. On vient tendre avec le frein, donc relativement en tension, sans trop non plus tendre, puisqu'en fait, le tressage, on va réaliser un tressage qui va tirer sur cette ligne. Ensuite, il vous suffit de prendre votre gros nylon. Donc là, j'ai une vingtaine de centièmes en tresse. Et là, j'ai un nylon de 66. Donc, j'ai vu des pêcheurs au thon et au carnassier raccorder des tresses de 10 à 12 centièmes avec des arrachés de 80 centièmes. Donc, ça marche vraiment, vraiment très, très bien sur les gros nylons. Donc ensuite, il suffit de prendre votre arraché. Donc, genre la bobine dans un sens et puis ici, j'ai le bout. Vous passez comme ceci au-dessus de votre tresse. Vous le tenez avec vos doigts comme ceci. Vous le récupérez en dessous et en fait vous allez réaliser comme une croix. En fait, vous avez la tresse au milieu et votre gros nylon ici. Ensuite, c'est assez simple. Il suffit juste de faire un tressage en passant dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, comme ceci. Et vous allez voir votre tresse monter et s'entortiller tout, petit à petit autour de votre arraché. Donc il faut répéter ceci une dizaine de fois. Donc en général, moi je fais une 13 fois. Donc là, j'ai des 13 fois de chaque côté. Donc là, j'ai déjà fait deux fois de chaque côté. Donc 3, 4, toujours, 5, 6. Si vous voyez que la tresse est un peu trop tendu, il suffit juste de donner un petit peu de mou avec votre frein, pas trop, hop, comme ceci, et ensuite on continue ce tressage, voilà, jusqu'à une dizaine, 12, 13 fois de chaque côté. On voit bien ici, en fait, j'ai ce petit tressage qui est venu se mettre sur mon arraché. Donc en fait, c'est un peu le principe de l'épissure du lit de corps. En fait, on est en train de tresser la tresse sur cet arraché en nylon. Et en fait, plus on va tirer dans un sens, forcément, plus ce tressage va se resserrer et va enfermer notre arraché. Donc en fait, notre arraché, contrairement à certains nœuds d'arraché, cet arraché aura pas de nœud. C'est-à-dire, en fait, il aura simplement ce tressage de tresse autour. Une dernière fois. Voilà, pour avoir un compte juste. Donc on voit là, mon tressage fait à peu près un bon centimètre. Ensuite, je prends mon excédent d'arraché sur mon corps de ligne en tresse. Je viens réaliser une clé d'arrêt. Alors une clé d'arrêt, hein, c'est très très simple. Il suffit juste de venir poser le nylon sur la tresse. Et on passe la tresse dans cette boucle de nylon. Voilà, et on vient serrer fortement. Voilà. Une clé d'arrêt, on en fait 4, donc ça donne ceci. Ensuite, c'est très simple, il suffit juste de prendre un ciseau, on coupe, voilà, ce bout de boucle qui était sur notre manivelle de moulinet. Donc j'ai donc mon corps de ligne ici, j'ai mon arraché avec mon tressage dessus, voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient juste couper la tresse à ras. Voilà. On peut lui mettre un petit coup de briquet. Voilà. Pour réaliser une petite boule. Et ensuite, ici, pour l'excédent de nylon, ici, voilà, il suffit juste de couper aussi. Voilà. À ras. Et réaliser, voilà, on le
brûle. On réalise un petit plat, de façon, par sécurité, de façon à ce que l'arraché ne vienne pas glisser à travers le tressage. Alors certains pêcheurs au carnassier mettent une petite goutte de cyanolite, hein, de superglue. Donc là, vous avez vraiment un arraché qui est très, 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 très solide. J'ai pu le tester à plusieurs reprises lors de montages qui sont souchés ou des poissons malheureusement perdus. Alors souvent, c'est le badine, le fameux fusible dont je vous parlais qui casse. Mais par contre, quand on est vraiment la canne est souchée avec le montage, en général, c'est le corps de ligne en tresse qui casse. Donc voilà, le nœud est vraiment très, très, très solide. Et puis en fait, il n'y a pas de présence de nœud. Et puis si vous faites vos petits arrêts en brûlé comme ça, ça passe très, très bien dans les anneaux et ça peut aussi très bien se lancer. Joli départ, il est 20h et la canne vient juste de démarrer à toute vitesse. Donc là, j'espère le deuxième fish pour Alexis. On va éviter de le stresser là. Bonne petite couche de soleil. Le poisson qui est en train de péter un bon petit combat. C'est juste du bonheur. Allez, tapir. Pourquoi on passe du temps au bord de l'eau ? C'est juste pour ça. Là, c'est une petite warrior S en 10 pieds, 3 livres et demi. C'est 10 pieds, j'ai du mal à être convaincu, mais ça reste. J'aurais du mal à revenir en arrière. C'est vraiment du pur plaisir, c'est léger, c'est maniable. C'est une superbe action. C'est vraiment très, très bon produit. C'est puissant sans être trop puissant. Bravo mon chou. Super. Terminer cette session que par cette jolie miroir avec un écaillage vraiment magnifique qui est venu nous rendre visite hier soir au coucher du soleil. On a loupé le doublé de peu. J'ai loupé un poisson cette nuit, décroché. Ouais,
Dommage, on aurait pu vraiment finir en beauté, mais ouais. on va pas se plaindre. Hein, non, super poisson. On a fait très joli poisson, aussi bien esthétique, même en poids, on n'a pas à se plaindre. Donc c'est plutôt satisfaisant, en espérant avoir partagé pas mal de choses. Merci de m'avoir invité, enfin, de m'avoir laisser m'incruster. J'espère que je n'ai pas trop dérangé vos vacances. Non, parfait, avec plaisir. Plaisante. Et puis, on a bien rigolé. Il n'a pas fait trop moche. Non. Pas trop de vent, c'est rare, il n'y a plus de vent. Ouais. Comme par hasard, on s'en va. On part sous le soleil. Voilà, 3-4 jours, tip top. Un peu déçu de partir, mais bon. Ah, mais à chaque fois, surtout là, quoi. Surtout là, quoi. Et voilà, boulot. On fait avec. On va se dépêcher pour la remettre à l'eau, terminer de remballer, puis bah. Tu vas charger les bateaux. Ouais, et dans le nord pour moi. Allez, pas en bateau, en voiture. Allez, c'est parti. Voilà, donc félicitations à nos trois consultants qui, malgré des conditions certes agréables pour eux, mais beaucoup plus compliquées pour la pêche, ont su tous les trois tirer leur épingle du jeu. On a vu notamment des niveaux d'eau très très bas et une absence de vent quasiment dès le début de session, ce qui rend toujours les choses compliquées sur ces grandes étendues d'eau. Donc félicitations à eux trois. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de peaufiner mes montages pour ce petit 24 heures hivernal. Montage d'hiver que j'affectionne particulièrement. Donc construit sur une tresse gainée rigide, la Camotex Stiff, c'est ce qu'on appelle l'anti-éject, donc avec un hameçon à hampe droite longue sur lequel on vient faire coulisser un anneau sur toute la longueur de la hampe, avec un cheveu qui lui est au millimètre près de la longueur de notre bonhomme de neige, constitué d'une danse et d'une pop-up toutes deux de 15 mm. Voilà, un montage que j'affectionne tout particulièrement et qui d'ordinaire me le rend bien, donc on croise les doigts. En attendant, je vous propose de retrouver Nicolas Lévine, qui pour cette année nous propose un petit medley. En effet, on va le retrouver tout d'abord au printemps, sur une gravière de laine, donc une pêche du bord. Et puis en deuxième partie de séquence, ce sera une pêche hivernale avec son compère Eric Delcroix, sur un syndicate water, donc une eau pêchée de manière très assidue, des poissons très méfiants, et j'ai hâte de voir un peu comment ils vont mettre en place leur pêche pour déjouer cette méfiance. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je vous retrouve dans ce quatrième volet de En session avec Fox. Donc on démarre de jolie manière là, avec une belle petite commune. Donc je suis arrivé hier sur une gravière publique d'une douzaine d'hectares, très fréquentée, grosse pression de pêche, pas un très très gros cheptel de poissons. Donc la pêche est relativement compliquée, les capots sont fréquents. Beaucoup de pêcheurs utilisent le bateau amorceur, ça pêche un peu grossièrement et un peu bruyamment, et je vais essayer de vous montrer qu'en pêchant du bord de manière simple, discrète et précise, on arrive largement à tirer son épingle du jeu. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de capots, il y a beaucoup de mecs qui viennent faire une semaine pour un poisson, une touche. Là je suis arrivé hier après-midi, j'ai décroché un poisson en arrivant et je fais 5 poissons dans la nuit. Donc celle-là c'est la plus belle des 5, donc c'est pas des très très gros poissons, mais vu le cheptel qu'il y a dans le plan d'eau, je pense que le restant de la session ça peut nous réserver des surprises. Je vais la remettre à l'eau et on va attaquer les choses sérieuses.
profiter de cuisiner pour vous expliquer un peu le contexte de pêche. Donc là, on est sur une gravière de 12 hectares, on est mi-juin, les poissons n'ont pas encore frayé apparemment. Donc c'est un plan d'eau public. Le bateau y est interdit, mais il est beaucoup utilisé. Beaucoup de bateaux amorceurs, donc c'est vraiment des déposes plus qu'imprécises parce qu'il y a très peu de sondages d'effectués. Donc moi, j'ai pris le parti de pêcher que du bord, sans bateau amorceur, avec une sonde, avec un sondage à la canne. Sonder à la canne, trouver différents spots, différentes natures de fond. Donc là, j'ai une canne en bordure qui pêche dans 4 mètres d'eau sur une tache très propre, certainement du sable ou de la terre, au pied d'un gros arbre qui est tombé. Donc il y a la cime de l'arbre qui baigne dans 4 mètres d'eau. Donc j'ai une canne justement au pied de cet arbre-là dans 4 mètres d'eau sur une tache propre. J'ai une canne en pleine eau à 30-40 mètres du bord au milieu des herbiers. Il y a quelques cailloux. Donc pas de différence de niveau d'eau, mais il y a quelques cailloux, donc une différence de substrat. Donc j'ai mis une canne, ça va trop bien en poisson également. En pleine eau, la tache, une grosse tache de sable. Donc c'est plus même une bande de sable légèrement en biais qui vient vers moi. Donc j'ai bien amorcé bien large dessus et c'est à la limite d'herbier. Donc c'est pareil, il y a du passage. Puis j'ai vu quelques poissons y sauter le premier jour quand je suis arrivé. Elle est complètement sur mon extrémité gauche. Là, c'est au milieu des herbiers. On a vraiment le plomb qui colle au sondage. Et d'un coup, il se met à glisser. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un fond dur, qu'on passe d'un fond très très mou collant à un fond dur qui ne colle pas du tout. Donc voilà, bien souvent, une différence de substrat au milieu de nulle part, ça peut attirer des poissons et permettre déjà de présenter des montages proprement. Donc là, les résultats en général, ce que je disais tout à l'heure, c'est un ou deux poissons pour la semaine. Là, en 48 heures, je suis à 7 touches, donc je suis assez content. Donc là, on a fait que du petit poisson, entre guillemets. Il y a des très gros poissons, donc voilà, il reste quelques jours de pêche et j'espère toucher un de ces gros poissons. Et là, on va manger. Le montage qui m'a permis de capturer tous ces poissons assez rapidement sur ce plan d'eau relativement difficile. Donc après sondage, j'ai déterminé 4 postes bien distincts et qui ont une particularité commune, c'est qu'il y a un petit dépôt sur le fond, même sur les endroits relativement durs. On a une toute petite pellicule d'herbier qui commence à se former. Donc le plus important, en plus quand on pratique du bord, c'est d'avoir un montage qui ne s'en mêle pas au lancer et qui se présente le mieux possible une fois arrivé sur le fond. Donc pour mieux se présenter sur une petite pellicule de feuilles ou d'herbe, c'est un montage qui descend très très lentement. Donc là, j'utilise exclusivement des appâts flottants sur les 4 cannes. Donc des appâts flottants de différents diamètres, de différentes couleurs, de différents parfums. Mais le point commun, c'est qu'ils sont tous flottants. Donc décollés entre 3 et 5, 6 cm selon l'appât et le spot. Donc pour utiliser ces appâts et les présenter au mieux, j'utilise le Injed Stiff Rig. Donc c'est un montage qu'on entend parler depuis quelques années, mais qui n'est pas encore très très utilisé. Donc en fait, le système de ce montage, c'est d'avoir un shod, donc un shod rig classique, donc un émerillon avec un gros anneau à la base, une petite partie en illusion transkaki, j'y ai relié un morceau de cortex mat en 25 livres, donc c'est la 13 gainée un peu classique, c'est le grand classique de chez Fox, donc environ 18-20 cm, qui sera relié à une agrafe rapide avec un P-Sleeve silicone à mon montage. Donc je vais vous présenter le même badling, ce coup-ci éché. Donc en fait voilà, on a une pop-up de 20. J'ai parfait l'équilibrage de mon appât avec un petit peu de pâte plombée que je mets côté fluorocarbone sur les mérillons. Un petit morceau de pâte plombée sur le badling pour que ça soit vraiment bien plaqué. Et en fait l'avantage de ce badling, c'est que quand le plomb va atterrir sur le fond, votre appât étant équilibré vraiment pile poil, il va descendre très très lentement. Et les matériaux étant relativement rigides et l'équilibrage vraiment très lent, en fait, l'appât va se décaler naturellement du plomb. Donc là, on peut voir vraiment l'agressivité du montage. Dans l'eau, ça se présente comme ça. Donc bien à plat sur le fond posé. Donc on peut voir que ça tourne très bien, c'est très mobile. À l'aspiration, ça monte bien. Et on peut réellement voir l'agressivité de l'hameçon avec l'appât, la pointe rentrante du SR qui va chercher le bas de la bouche. Et c'est vraiment des piqûres propres, on limite les décrochés. Donc juste la petite astuce qui est connue mais qui est toujours bon de rappeler pour l'échage sur un micro émerillon, donc sur les dérigues, que ce soit sur un shod ou sur n'importe quel type de micro émerillon. Donc un petit morceau de fil dentaire,
qu'on vient passer dans le micro émerillon. Voilà, c'est très pratique. Et en fait, c'est mon copain Morel qui m'a fait voir ça une fois. Et c'est vrai que depuis, les élastiques et autres systèmes peu fiables, ça a été mis à la poubelle et j'utilise plus que ce système-là. Donc on enfile l'appât, donc là la 15 mm, sur le fil dentaire. On vient l'enfoncer légèrement en force sur le micro émerillon, comme ça, ça laisse réellement le petit anneau, le micro-anneau vraiment libre sur le dérig. On coupe l'excédent de fil dentaire à environ 5 mm, 1 cm de l'appât. Et là, on va venir le brûler. Donc quand il n'y a pas de vent, c'est plus facile. On va venir le brûler et ça va naturellement, avec la brûlure, former une petite boule de fibres fondues. On l'écrase légèrement avec le briquet. Et là, on a un appât. Même les écrevisses vont vous manger l'appât. Les foules, quand ils plongent, c'est pareil, ils vont réussir à vous choper l'appât, mais ils n'arriveront pas à le retirer parce que ça fait une petite pastille de plastique fondu qui a durci. Et l'appât est vraiment bien maintenu. Et là, on peut voir que le montage est prêt à être lancé. C'est la canne qui a produit la majorité des touches à 70-75 mètres sur la tache de sable. Donc je vais en profiter de lancer, d'avoir l'impact du montage pour amorcer au cobra dessus. Donc là, pas très précis, j'arrose sur 15-20 mètres carrés tout autour du montage, toute cette surface de sable. Le problème, c'est qu'on utilise des bouillettes qui sont relativement molles, donc les carpnotes, même que les pop-up. Et pour pas qu'elles éclatent au cobra, en fait, la petite astuce, c'est que je remplis le sac d'eau. Comme ça, le temps que je lance mon montage, les bouillettes sont bien mouillées. Et déjà d'une, on est beaucoup plus précis. Et en plus, ça n'éclate pas au vol. Donc ça évite de gaspiller des appâts et puis d'en mettre un peu partout. Et sur les poissons un peu difficiles, on peut même laisser les appâts préparer des sacs comme ça d'appâts trempés à l'avance. Et ça permet d'amorcer avec des appâts délavés. Donc sur des poissons qui sont un peu habitués à la pression de pêche et à venir finir les restes des vieux amorçages sur des vieux appâts. En plus, ça peut être un plus sur des eaux un peu sous pression. Donc là, j'ai clippé, j'ai mon repère sur la berge d'en face. Mon corps de ligne, c'est du submerge. Donc c'est de la tresse parce qu'il y a quand même des herbiers et quelques branches. Donc il faut quand même réussir à mater les poissons. Donc là, j'ai un buisson en face qui me sert de repère. Hop, on accompagne bien. Hop, le plomb qui touche le fond. Donc là, on imagine bien le inkjet stiff rig qui se met en place tout seul. Et là, j'ai plus qu'à amorcer. Donc là, j'ai le nouveau cobra, le R20 en carbone. Donc les appâts mouillés et puis le chargeur justement au-dessus de la poignée. Ça permet de gagner du temps et en plus de pouvoir garder les yeux sur le point à amorcer et de gagner en précision. Donc là, mouillé les 20 mm. En faisant toujours le même geste, on arrive à répartir les appâts sur une zone relativement concentrée, même si ce n'est pas le but, on n'essaye pas de les mettre les unes sur les autres, ça sert à rien, il faut faire nager un peu les poissons. Là, la canne, je déclippe, la canne est bien placée, bien amorcée. Donc là, en pleine eau, ça sert à rien de trop serrer. Alors, je pêche en tresse, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, mais les conditions l'exigent un peu. Donc du coup, je la détends un peu, parce qu'en plus, ça submerge, elle coule très bien. Donc j'utilise des petits clips qui se fixent sur la canne. Donc de plusieurs diamètres en fonction du diamètre de la canne, sur lesquels je viens clipper mon corps de ligne en tresse. Et en fait, ça permet de pêcher relativement détendu, donc on est sûr d'avoir peut-être pas la totalité, mais une partie terminale de corps de ligne et avec le leader, le lead core, de plaquer sur le fond. Ça permet de pêcher légèrement détendu tout en gardant le swinger en l'air. Donc là, c'est un swinger léger, il n'y a pas de masse flotte additionnelle. Donc voilà, ça permet avec la tresse de détecter les touches. Voilà, ça pêche.
caméraman s'était absenté pour aller faire quelques courses et bah, manque de bol, ça a déroulé pendant son absence. Et là, en fin de journée, je touche cette petite commune, donc j'espère que ça présage un bon déroulement pour la suite. Je vais la remettre à l'eau et on va se concentrer sur la pêche. De sable au large avec un 20 mm flottante carpe nuts sur une jed, toujours bien piqué. Donc là il est 3h30, je vais la mettre au sac jusqu'au lever du jour, comme ça on fera des belles photos demain matin. Voilà, deuxième nuit productive avec ce mâle. Donc là, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas encore commencé à frayer parce que ce mâle-là pisse l'allaitance. Donc c'est un signe aussi peut-être qu'il peut compliquer ou avantager dans la pêche. On va voir le déroulement. Donc le poisson que j'ai fait cette nuit, sur la canne la plus au loin, 70-80 mètres du bord, sur une tache de sable, avec avec un montage InJed Stiff Rig, donc avec les nouveaux Shod Rig prêts à l'emploi, additionnés à un morceau de Cortex Mat en 25 livres. Donc ça fait vraiment une présentation, quand il faut lancer du bord, on est sûr que le montage se présente de façon optimale. Et voilà, quand c'est bien placé, il n'y a pas besoin de bateau ni de bateau amorceur. Quand c'est bien placé, précis, bien amorcé, ça fait du poisson. Magnifique poisson. Oui Stéphane, premier poisson pour démarrer cette session avec mon pote Eric. Donc je l'accueille sur un plan d'eau, sur une gravière normande d'une vingtaine d'hectares. Donc c'est un complexe d'étangs qu'on peut pêcher après l'achat d'une action à l'année. Donc voilà, c'est une sorte de syndicat à la française. Donc le cheptel est pas énorme, mais la moyenne de poids est intéressante. On est début décembre, l'eau est à 9 degrés. Donc voilà, on est arrivé tard hier soir, on a tapé deux cannes chacun dans la nuit. Et puis voilà. Premier poisson d'un peu plus de 17 kilos pour accueillir Eric. Voilà, merci pour l'invitation. Tu vas voir qu'il y en a d'autres des comme ça, il y en a même des plus grosses. Donc on va vous montrer, on va employer deux approches totalement différentes. On pêche dos à dos sur une sorte de pointe, donc on ne se gêne pas du tout. Et vous allez voir qu'on va vous faire découvrir chacun notre approche. On va essayer de vous en présenter d'autres comme ça. Là, pour connaître un peu le plan d'eau, avec les années que j'y pêche,
fait, le poisson commence à être froid, donc vous l'avez dit, il était à moins de 10 degrés, donc le poisson, c'est pas cette période-là qui est plus mobile, donc il faut vraiment le repêcher sur la tête. Donc là, ce matin à Pille, on a été voir une autre partie carrément à l'opposé, où est-ce qu'il y a des zones de tenue et d'alimentation. Donc on a été voir la pièce ce matin, en plus il y a beaucoup d'oiseaux et tout, c'est vrai que quasiment toute l'activité de l'étang ça se passe là-bas. Donc en fait là on va vite faire emballer et on va aller faire une nuit, on va aller se faire un 24 heures là-bas, voir si on touche. Et puis, connaissant le plan d'eau, je pense qu'il y a moyen de faire un petit chombé. On a évacué tout le matériel, on a transféré le matériel sur une autre partie du lac, on est vraiment dans la queue de l'étang. Et habituellement, c'est une partie qui est toujours battue par les vents dominants. Donc là, on s'excite un peu à mettre tout en place parce que on est au mois de décembre, à 5h, il fait nuit noire. Il nous reste 24 heures réellement avec Eric pour pouvoir éventuellement faire quelques poissons supplémentaires. Donc pas trop le temps de traîner. Donc moi, je vais pêcher toujours... du bord en lançant mes cannes, en amorçant au cobra ou à la fronde, parce qu'au queue des temps, il y a pas mal d'obstacles et c'est des zones de tenue. Et je connais, il y a une tâche, c'est vraiment une zone d'alimentation, donc s'il y a des poissons là-bas, ça peut toucher assez rapidement même. Après, en plein eau, il y a quelques tâches de cailloux intéressantes, selon les saisons. Eric, lui, sur sa partie, aura des pêches d'obstacles à faire sur une berge opposée et pas mal de pêches en plein eau, parce que lui, il est en sortie de baie, donc il aura également de la pleine eau à pêcher. Donc voilà, ça c'est une zone de tenue, il y a toujours du poisson plus ou moins. Donc en général, même sur des pêches rapides, il y a toujours moyen de faire un ou deux départs. Ma canne, je pêche une baie de plusieurs hectares, beaucoup d'obstacles sur la berge d'en face, à longue distance, des trouées d'herbiers aussi qui sont à longue distance, donc j'ai opté une pêche pour avec le Zodiac. Si des fois je parvenais à toucher plusieurs poissons, je pense que je partirais poser les montages ensuite au bateau amorceur pour pouvoir effrayer les poissons. Vu que c'est peu profond, que l'eau est assez froide, on va pouvoir les effrayer. Là je suis parti sur une canne horizon 10 pieds, 3 livres, avec un montage SSBP prêt à l'emploi. Comme on est arrivé hier soir très tard et j'ai pas pu faire mes montages, et je sais que je pêche souvent avec ça et j'ai jamais eu de soucis, donc je sais que ça pêche. Là je suis parti poser cette canne à peu près à 200 mètres du bord sur une plage de sable et de gravier. Donc ce spot, je pense qu'il est, ça peut être un bon spot. À l'entrée d'une petite baie. C'est la seule zone qui est propre où il n'y a pas d'herbier. Sur 4-5 mètres carrés, du sable, des cailloux. Donc on verra. À l'abri du vent. Donc voilà, là on arrive sur la zone. Donc moi, contrairement à certains, je sais que je préfère amorcer tout de suite en arrivant sur mon repère et poser mon montage après. Comme ça, même s'il y a du vent ou quoi, je sais qu'une fois que mon montage est posé, j'ai plus qu'à regagner mon poste et pas perdre de temps avec une bannière ou tirer sur mon montage. Donc je sais que je préfère amorcer la zone tout de suite en arrivant. J'ai plus qu'à poser mon montage en bonhomme de neige sur la zone amorcée. On sent que c'est dur, du sable, du caillou. Ensuite, j'ouvre mon pick-up, et c'est parti, on regagne le poste. Donc j'ai un clip plomb, montage simple, avec un plomb de 170 grammes, parce que je pêche quand même à assez longue distance, donc je préfère mettre des plombs assez lourds. Ensuite, j'ai un submerge, ça permet de bien plaquer le montage. Ensuite, en tête d'arraché, j'ai la Snake Leader.
et ensuite on submerge le corps de ligne, on submerge 20 lbs, une tresse coulante qui vont parfaitement pour remplir les FX9. Vu que c'est en 20 lbs, on peut en mettre une bonne contenance. Ça me permet d'avoir des cannes 10 pieds bien équilibrées avec des moulinets de ce poids et de ce gabarit. C'est ma canne la plus à droite, donc en fait je vais vraiment aller chercher le fond de la baie. Il y a énormément d'arbres dans l'eau et surplombant la flotte, donc à cette époque-là forcément il n'y a plus de feuilles sur les arbres, donc elles sont au fond de l'eau. Donc je vais utiliser un petit shod rig pour être sûr de ma présentation, quoi, parce que là on n'a pas le temps de perdre de temps justement, donc il faut que ça pêche bien tout de suite, quoi. Donc là un petit shod rig classique, hein. On a un pont de 106 grammes, donc ça me permet largement de lancer à bonne distance et de contrer les poissons un peu puissants ici. Donc voilà, une pop-up de 20 mm pinapole de chez Mistral, histoire de leurrer rapidement un poisson. On a vraiment ça va se poser gentiment sur le fond. Même si ça se le pont s'enfonce dans les feuilles, le lit de corps et la pop-up va descendre et ça restera en suspension réellement au-dessus du substrat, quoi, que ce soit des herbiers morts, quelques brindilles, de la feuille ou même de la vase. Avec le shod rig, on est toujours sûr de présenter comme il faut lèche, on est sûr que ça pêche, quoi. En plus c'est un montage qui se lance très bien, quoi. C'est vachement aérodynamique, il y a très peu de longueur de bas de ligne qui freine l'ensemble, donc ça se lance vraiment très bien. Donc, je vais lancer ma canne. Voilà, je suis en train de gratter avec la canne à sonder pour retrouver une tache en pleine eau que j'avais déjà pêchée, qui avait régulièrement fait des touches, donc ça permet vraiment d'avoir trois spots totalement différents et pêcher avec trois montages et trois techniques différentes, quoi. Ça évite de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc là je suis dessus. Bon, en fait c'est une bande de cailloux qui est légèrement de biais, qui revient vers la berge sur ma droite. Donc là j'ai senti les cailloux. Donc là le débrayable. Hop, la petite marque, 30 cm. Une fois. Deux fois, trois fois, quatre. Donc là on a 5 fois 30 cm, donc ça fait 1m50, plus la longueur de mon flotteur, plus la potence, on peut rajouter 30, donc là on a 1m80 d'eau sur une tache de cailloux. Donc là je vais lancer, j'ai mis un bas de ligne rigide d'une vingtaine de centimètres, tout ce qu'il y a de plus classique, en illusion. Il faut lancer un peu avec un stick, ça évite de s'en mêler. Je mets un petit stick avec un petit bonhomme de neige. Donc ça va et protéger ma pointe, mon hameçon, s'il y a éventuellement quelques feuilles ou résidus d'herbier. Et en plus, ça sert de contrepoids, vu que c'est clippé, ça sert de contrepoids et ça évite de s'en mêler. Après, il faut essayer d'être le plus précis possible. Hop, on accompagne jusqu'à la descente du plomb, jusqu'à ce que le plomb touche le fond. Comme ça, on sait que tac, le stick lui descend de l'autre côté. En plus, avec le banding rigide, là, on est sûr d'avoir quasiment une présentation linéaire. Là, je vais vous montrer comment je vais ligaturer mon petit élastique pour avoir mon repère de distance, pour pouvoir déclipper ma canne. Et au prochain lancer, j'aurai plus qu'à reclipper au niveau de mon repère. Donc en fait, c'est le petit élastique marqueur. Donc en fait, c'est comme un élastique de pêche au cou, mais très très fin. Donc, pour le nouer, en fait, vous l'allongez contre votre corps de ligne, vous y faites une boucle, et en fait, vous venez prendre avec 3 ou 4 tours et votre corps de ligne et votre élastique. Voilà, ça fait un tout petit nœud, tout petit peu de salive. On le serre, pas trop fort parce que c'est quand même assez fragile. Voilà, on n'a plus qu'à couper. Donc, ça sert à rien de couper très court, parce que vu qu'il est très souple et très fin. Y a aucun problème, comme je vous ai fait voir, quand ça passe dans le détecteur, dans le swinger ou dans les anneaux. Donc voilà, comme ça maintenant je peux déclipper mon moulinet, couler ma bannière,
Donc là, hormis quelques herbiers qui pourraient être encore présents, il n'y a vraiment pas du tout d'obstacle. Donc ça ne sert à rien de pêcher en tresse comme je pourrais le faire, la belle saison quand il y a beaucoup d'herbe. Quoi. Donc là, un nylon de 33 centièmes, ça convient largement. Légèrement que mon leader en submerge se plaque et qui joue son rôle de leader pour la discrétion. Un petit hanger léger, ça sert à rien d'avoir beaucoup plus lourd. Voilà. Toujours le petit clip link pour avoir le swinger le plus haut possible. Voilà, ça pêche. Après avoir lancé ma canne sur le spot proche de mon marqueur, je vais vous faire voir comment je règle mes distances pour ne pas avoir besoin à relancer pour reclipper à chaque fois, que pour pouvoir le faire directement sur la berge entre la prise d'un poisson et la fois où je vais relancer. Donc en fait là, mon marqueur est sur mon spot, je clippe mon corps de ligne sur le clip de la bobine, on peut faire un ou deux tours pour être sûr, on ramène le marqueur, donc là, on sent bien les cailloux sur le plomb. En fait, pour être sûr de pêcher toujours à la même distance, je pose ma canne par terre. Donc ça, c'est une petite combine qu'on utilise aussi au feeder. En fait, ma canne fait 3,60 m, c'est une 12 pieds. Donc je plante un pic au niveau du talon. Si ça veut rentrer. Voilà, une canne au niveau, un pic au niveau du talon. Et en fait, pour faciliter les calculs, pour ne pas avoir à compter avec 3,60 m, je recule d'environ 10 cm. Je viens fixer à la base, donc on fait 2-3 tours pour pas que ça bouge, le plomb de mon marqueur. Et ensuite, je recule un peu, je viens faire le tour de mes pics. Donc vu que j'ai que 3,50 m entre chacun de mes pics, je sais que quand j'ai fait un tour complet, j'ai sorti 7 mètres de tresse. Donc on compte un tour, 2. J'ai 7 tours, donc 7 x 7, plus 3,50 m. Donc là, on peut commencer à déjà calculer la distance de pêche. On sait à quelle distance on pêche. Et je sais qu'à 7 tours et demi, avec ma canne à pêche, j'aurais fait 7 tours et demi. Et j'aurais pile poil la longueur au centimètre près pour reclipper ma ligne et repêcher toujours. Ça m'évite de relancer sans cesse. Alors on s'est réglé ces distances de pêche directement. Donc là, on pêche environ à 52 mètres. Voilà, ça prend 5 minutes et ça permet d'être super précis. Et il suffit qu'un montage casse, quoi que ce soit, qu'on perde du corps de ligne, que le bas de ligne, que la ligne soit coupée sur des cailloux, sur des moules ou on casse sur un poisson. On refait un montage, on se remet sur la berge, on compte le nombre de tours, pof, je sais reclipper et re-régler mon élastique. Et ça permet d'être précis et de faire plus de poissons. Ça va gros ? Ça va, ça va. Ça fait un pichon ? Un poisson cette nuit à 5h du matin, ouais. Sur la bordure en face, sur le banc de cailloux, devant le pylône. Un gros ? Poisson de 12-13 kilos, près. C'est bien, hein ? Ouais, ouais. C'est bien. C'est pas les grosses pêches. Beau combat. Mais c'est bien, hein. Ouais, enfin, ça confirme bien que les poissons sont des obstacles. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est cool.
Voilà, donc un poisson de presque 14 kg, pris dans les obstacles sur la berge en face, avec un chaud, 5h du matin, gros rush et bien content d'avoir mis ce poisson au sec. Mon premier poisson normand, ça me fait plaisir d'avoir partagé ça avec Nico. Impeccable. On arrive au terme de ce 72 heures sur cette gravière normande. On a touché quelques poissons chacun. Oui. On espérait que ce soit beaucoup mieux, mais bon, on est début décembre. Oui, baisse des températures depuis 3 jours. L'eau est descendue à 8. Tous les poissons qu'on a touchés sont dans les bois morts en bordure. La nourriture naturelle est encore présente. Malgré le fait qu'on soit début décembre, que l'eau soit froide, il y a encore de la nourriture naturelle. Les poissons ne sont pas énormément actifs. Ils n'ont pas encore fait leur réserve, les poissons qu'on a fait, c'était pas des poissons gavés. Non. Mais bon, j'espère que tu as passé un bon moment. Ah oui, un très bon moment. Tu reviendras. Je reviendrai, c'est sûr. Pour prendre plus gros. Plus beau. Plus. Plus beau. Donc voilà, ce sera un plaisir de te raccueillir sur cette gravière. Donc c'est toi, ouais, c'est pas énorme, ça fait 20 hectares. Il y a largement de quoi faire. Hein. On n'a pas de ça chez nous. Petit bijou de la vallée. Oui, bien sympathique. Chapeau bas Eric et Nicolas, vraiment malgré des conditions qu'on peut vraiment qualifier d'hivernales, ils ont su rester motivés et ça a fini par payer. J'aime autant vous dire qu'il ne fait pas beaucoup plus chaud ici, avec une eau à 5 degrés et une première journée vraiment infructueuse qui m'a poussé à plier bagages et changer de poste, à opter pour des cannes plus courtes et très maniables aussi qui m'ont permis de déposer près d'obstacles sur une berge assez encombrée. Et puis enfin une première petite récompense avec cette jolie petite miroir. Fait un peu l'effet d'un glaçon là dans les mains, mais quand même bien agréable à porter. Je vous propose maintenant c'est de retrouver Jean-Baptiste pour une session avec une ambiance tout à fait particulière, un street fishing de canal vraiment vraiment très sympathique et hors norme. A tout à l'heure. On est au bord d'un canal grand gabarit. Cette fois-ci, on est en plein mois de décembre. Il fait très très froid. La température avoisine les 5-6 degrés et l'eau doit être guère plus chaude. Il y a énormément de navigation. C'est un grand canal très froid avec du courant. Énormément de navigation avec des très très grosses péniches comme celle qui passe là derrière. Et on va essayer de faire une petite nuit, essayer de faire un poisson, essayer de trouver la pêche. Donc c'est une zone un peu industrielle, il y a des rejets d'eau chaude. Le chenal fait plus de 6-8 mètres de fond, mais on va essayer de trouver des endroits avec des zones de vase où les poissons s'alimentent. Et puis on va essayer de faire sa pêche. Je
à peine arrivé, à peine posé, bim, premier poisson. Un tout petit poisson, mais à mon avis, si ça veut jouer, ça risque de s'enchaîner. Donc là, pour l'instant, beaucoup de bateaux. Mais bon, ça fait... pour l'instant, j'ai mis qu'une canne. Peut-être que j'aurai le temps d'en mettre deux, on verra bien. Allez, on va la remettre à l'eau et puis on va finir de préparer les affaires. Yes! À peine le temps de relancer l'autre poisson, je relance la canne. Alors pour l'instant, j'ai encore qu'une canne qui pêche. C'est celle-là qui arrête pas de dérouler. Et dès que je lance, bah, je fais un poisson. Et j'ai pas encore amorcé. Donc comme quoi, des fois, il suffit de pêcher en plein hiver, comme ça, en plein mois de décembre, la concentration de poissons. Et du coup, bah, après, les poissons sont là. Quand on pêche sur les poissons, alors là, le poisson a pris le lit. Alors ici, on est sur un très très grand gabarit, puisqu'il y a des péniches de 3000 tonnes qui passent. Donc il y a plus de 6 mètres de fond au milieu. 6-7 mètres. Donc du coup... Ça fait des sacrés combats quoi. Là le poisson a l'air plus lent que tout à l'heure. On va bien voir. Et je pêche vraiment dans la sortie, une espèce de sortie d'eau chaude. Et les poissons sont empilés en ster dedans. Ouais, ça a l'air beaucoup plus lent que tout à l'heure. Ça. Alors comme on est sur un grand gabarit qui a énormément de fond, faut toujours un peu se méfier de ce qu'on peut trouver au fond. Et comme c'est un peu l'hiver, j'ai mis des montages assez fins. Parce que j'ai qu'un petit arraché en 50 centièmes et un tout petit banigne en 43 centièmes en illusion. Donc il n'y a rien de plus simple, hein, banigne en fluorocarbone ou en nylon et puis un arraché et de la tresse en corps de ligne. Bon, ça vient finalement, donc je pense que ça doit être le même poisson, même gabarit que l'autre. Il y a quelques sciures aussi sur ce grand gabarit. Ah, c'est peut-être un peu plus gros que l'autre. Hop. Alors le problème c'est comme on est sur un quai rentrant avec un quai brise vague, du coup elles peuvent rentrer sous le quai et j'ai toujours un peu peur de ce qu'elles peuvent trouver en dessous. Même type de commune, hop, elle est un peu plus grosse et voilà, et de deux. Bon, c'est un petit peu plus lourd que l'autre. Ah oui, un peu plus lourd. Alors comme on peut le voir, mon petit montage avec mon arraché en nylon ou en fluoro, tu vois là ça c'est un illusion 50 centièmes. Mon montage inline avec un plomb inline tout simple, un émerillon, un bas de ligne en nylon tout simple. Et on voit le poisson, il est piqué en bas. Profondément. Un petit peu plus grosse que l'autre. On commence à monter en taille. Et on est là pour... un 20-24 heures, peut-être même plus si ça veut jouer. Elle fait des réserves pour l'hiver et puis elle va aller se chauffer là-bas à la sortie d'eau chaude. Voilà, elle était en vacances, elle se dorait la pilule. Voilà, là les avirons arrivent, il va falloir remonter les cannes jusqu'à ce soir. Alors, entre les bateaux et les avirons, ça risque d'être un peu la galère, mais bon, c'est ça la pêche. Allez, on va la remettre à l'eau. Yes! Ça y est, la nuit est tombée, la navigation est en train de se ralentir un tout petit peu. À mon avis, on va avoir quelques très grosses péniches cette nuit vers 22-23 heures et après vraiment ça diminuera. Et comme par hasard, bah, moins de navigation et on a moins de touches, c'est-à-dire on a enchaîné les touches tout de suite
Et puis là, depuis 1h30, 2h qu'il fait noir, les touches se raréfient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer en face. Alors il y a énormément de vent et le canal est un grand gabarit, donc il est assez large. Donc malheureusement, pour être le poisson se navigue très très peu en ce moment. En fait, il est vraiment à cette sortie d'eau chaude et à certains points stratégiques. Donc la pire chose à faire, ça serait d'amorcer partout et d'en mettre partout. Contrairement à une pêche en été où on peut amorcer des zones, grandes zones de bief, là il faut vraiment amorcer très compact. Donc je pourrais lancer au stick, mais là j'ai le petit bateau, j'ai descendu le petit bateau de 2 mètres, le FX200 à l'eau, et je vais aller amorcer juste une petite poignée de billes. Alors c'est des billes fishmeal, voilà, pris en plusieurs diamètres, donc il y a du 30 et de la 25 que je vais couper en deux, de façon à ce que si jamais il y a de la navigation, en fait, ben les billes ne roulent pas, puisque là il y a une petite descente. Donc une fois coupées en deux, elles seront bien plaquées sur le fond et elles éviteront de trop bouger, surtout s'il reste quelques péniches à passer, puisque vraiment la pire chose à faire vraiment là, puisque là on est vraiment tombé sur une zone de tenue et une zone de nourriture. Donc on enchaîne les touches. La pire chose, ça serait d'amorcer loin et que les péniches dispersent notre amorçage très loin. Donc ce que je fais, c'est que je vais les couper, j'ai coupé quelques grosses billes, donc elles sont assez fraîches. Quelques grosses billes et de diamètres différents. Et j'irai amorcer une poignée par canne. Vraiment très 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 resserré sur le montage. Voilà, c'est largement suffisant. Alors j'avais préparé énormément de maïs, du maïs concassé que j'avais préparé hier soir, que j'ai ébouillanté avec pas mal de pelé et du frolic. Et en fait, en discutant avec quelques pêcheurs au cou cet après-midi, apparemment il y a énormément de brème et de carassin et quelques silures qui sont encore actifs en ce mois de décembre. Donc je vais surtout pas balancer de graines ni de farine pour éviter que les brèmes et les carassins rentrent sur mon cou. Donc du coup, je vais partir sur des très très grosses bouillettes pour essayer de sélectionner les carpes et pas passer la nuit à relancer les cannes pour des brèmes ou des carassins. Bah, les cannes sont relancées, les postes sont amorcés. Ah, peut-être une touche avant le repas. Donc là, j'ai collé le petit chauffage à pétrole parce qu'il fait 4 degrés. Il y a un vent du nord qui est glacial. Et en fait, il s'engouffre en fait dans toute la zone industrielle et sur le canal. Et en fait, bah, il découpe tout ce qui croise. Donc du coup, on va faire un petit chili con carne, histoire de donner la patate, de réchauffer l'intérieur aussi, parce que ça caille. Donc voilà. Donc pour l'instant, la navigation elle est bien redescendue. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on a moins de touches à cause de ça. Souvent dans le canal, c'est les mouvements des bateaux qui font un peu déclencher les touches et bouger les poissons. Donc on va bien voir. Là pour l'instant, c'est quand même très calme. Ça a démarré sur les chapeaux de roue et là depuis 2h, il doit être 20h à peu près. Depuis 2h, c'est très très calme, donc on verra bien. Peut-être que ça se redéclenchera demain matin. On a déjà 2 touches. Hein. En plein mois de décembre, il fait 6-8 degrés la journée, 4 la nuit. L'eau elle est à 5-6 degrés à peine. Il y a un vent du nord glacial. C'est pas mal, déjà 2 touches avec un poisson correct. Donc on va bien voir. On va profiter du chauffage et puis manger bien chaud, épicé. Et puis on verra si la nuit est fructueuse. À peine fini de manger, toute petite commune qui nous a fait un départ, elle est déjà là au ras du quai. On va mettre la épuisette, hop.
Ça fait un départ en trombe. Elle est juste là. Hop là. Avec le courant. Oh là 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 là. Elle est ressortie. Elle passe sous le quai. Et viens là toi. Hop. In the net. Yes. Fais bien attention quand on est en haut d'un quai comme ça de... Que les nageoires soient bien en bon sens. Voilà, pas que le poisson remonte cassé en deux. Voilà. Jolie petite commune, une petite torpille. On va vite la remettre à l'eau et on va retaper la canne. Et puis on va l'espioter en espérant toucher une plus grosse commune ou alors une des miroirs géantes. Yes! Réveil glacial ce matin. Je pensais que le vent allait tomber pendant la nuit, le vent du nord, et en fait bah, il est toujours présent, il est même encore plus fort et encore plus froid. Donc là je commence à avoir la piquette au doigt et sur le bout du nez. Donc la nuit fut assez productive parce que je fais 3 départs. J'en refais une petite commune et je fais 2 décroches coup sur coup. 2 ou 3 même, 3 décroches coup sur coup. Donc j'ai même changé mon montage pendant la nuit, j'ai refrappé la canne et c'est assez bizarre. Là j'ai remonté les lignes il y a à peu près une heure et demie parce que la navigation a repris très tôt et je voulais redormir une heure tranquille en fait sans avoir des bips et avoir à remonter les cannes parce que là les péniches avec le bruit de l'usine on ne les entend pas arriver. Donc c'est un peu un stress donc on ne dort pas vraiment. Donc là j'ai remonté les cannes, là je vais les remettre à l'eau, je finis mon café. Je pense que je vais y rester encore une journée pour voir parce que ça a l'air de toucher pas mal en journée dès que les péniches commencent à circuler un peu. Et puis peut-être refaire une nuit, on verra bien si j'arrive à retoucher un poisson. Le but étant vraiment de toucher une des miroirs du bief. Parce que tout de suite on va vite monter en poids. Après quelques poissons trophées qui ont été vus, jamais pris mais qui ont été vus. Donc on peut tout espérer quoi. Mais là il fait vraiment très très froid et j'ai peur que ça ralentisse un peu la pêche. Quand on pêche le canal, surtout la berge d'en face comme ça, bah c'est les péniches. Et celle-là, elle arrive à pleine balle. Elle fait au moins 1500 tonnes. Donc là, il n'y a pas de backlit qui tienne pour monter les cannes. C'est dommage parce que ça pêchait nickel. Voilà, on va attendre que la péniche elle passe. Et on lancera directement dessus. Ouais, là, faut s'imaginer que... Ça descend 4 mètres en dessous, 4-5 mètres. Et là, ça aspire tout, là. Tout ce que j'ai amorcé, ça va se retrouver dans le lit. Alors, le problème, c'est que plus je vais en mettre, plus il va y avoir de péniches qui vont passer et plus ça va en éparpiller et ça risque de changer la pêche. Donc, du coup, je vais continuer à amorcer très, très peu
et à pêcher très 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 serré sur mes spots. Allez, on va aller la relancer. Alors je vais vous parler de mes spots et puis de mon montage. Alors en termes de montage, c'est du très très simple, c'est du solide et du basique. Alors j'ai un corps de ligne dans mes fixons, j'ai un corps de ligne en tresse, la Submerge, qui est une tresse qui se plaque vraiment bien. Donc l'avantage de la tresse, c'est que je vais être en contact tout de suite avec le poisson. Ensuite, relié via un nœud, le nœud NG, qui est le nœud de pêche exotique pour pêcher le thon, qui est une espèce de tissage. Ça me permet d'avoir un nœud de raccord entre un arraché en fluorocarbone et puis ma tresse, vraiment un arraché très très solide et vraiment incassable. Donc en termes d'arraché, j'utilise le leader. Un leader en illusion, en fluorocarbone, en 50 centièmes, donc de couleur trans-kaki, donc qui est l'espèce de vert marron brun, qui est vraiment indétectable dans les eaux claires comme dans les eaux un peu teintées comme ici. Ensuite, sur ces 10 mètres d'arraché, j'ai un arrangement en inline, donc c'est le Klingon inline de chez Fox en 170 grammes, c'est le minimum pour pouvoir tenir la berge d'en face. Ça se lance très très bien avec les petits horizons X 10 pieds 3 livres et demi, vraiment ça encaisse à mort. Alors l'avantage d'un inline, eh bien c'est que ça permet d'avoir une inertie directe au niveau du plomb, c'est-à-dire que la moindre sollicitation, le poisson est vraiment piqué tout de suite. Ça me permet aussi de pouvoir appuyer vraiment très fort mes lancers pour pouvoir aller sur la berge d'en face. Ça pêche tout de suite, vraiment ça se dépose bien au fond, ça grippe bien, de façon à ce que comme ça c'est en berge, enfin, les spots en face sont en pente descendante, j'essaye de taper le haut de la pente pour éviter que ça déringole avec tous les détritus qui peuvent dériver et puis les bassinages, les éclusés, c'est-à-dire les mouvements d'écluses et les mouvements d'eau de la navigation. Donc l'avantage de ce montage-là, c'est que voilà, il y a une tétine à l'intérieur, mon émerillon vient se mettre à l'intérieur. Donc j'aurais pu aussi utiliser des montages clip plomb. Donc quand c'est comme ça, il faut utiliser des forts grammages, j'utilise les nouveaux Power Grip Lead Clip. Donc c'est avec une tétine renforcée, beaucoup plus épaisse. Et puis ici, des clip plomb avec un striage qui permettent de bien agripper la grosse tétine en caoutchouc. Ça permet d'encaisser des plombs de plus de 200 grammes. Donc ça permet d'appuyer et d'éviter de perdre le plomb à l'impact. Surtout que souvent, j'essaye de taper directement dans le bastingage en face, dans les pales planches en ferraille, de façon à ce que mon montage tombe vraiment, vraiment à ras. Donc on peut le voir, le plomb a pris quelques impacts déjà. Donc alors en fait, sur cet émerillon Quick Change, ici j'ai une petite tétine en tungstène, ce qui permet de bien plaquer. Alors j'ai mon bas de ligne qui est assez court, en fait c'est entre 15 et 20 cm maximum, en illusion, clear cette fois-ci, en 43 centièmes. Alors pourquoi 43 centièmes? Ça paraît un peu léger et un peu fin. C'est en fait, ce bas de ligne va me servir de en quelque sorte d'un fusible en cas d'accro. En général, c'est l'hameçon qui vient s'accrocher dans des vieux cordages, dans des bancs de moules ou quelques branches, quelques bouts de ferraille au fond de l'eau. Donc plutôt que de casser à chaque fois mon montage avec mon plomb, souvent en général c'est le bas de ligne qui cède. Mais bon, pour pêcher ici en canal, les poissons d'ici, 42-43 centièmes, c'est vraiment largement suffisant en termes de résistance. Ensuite, j'ai un petit hameçon ici SSBP Armapoint taille 5. Je peux aller jusqu'à 4 suivant la taille de l'appât. Point 30-30, puisqu'on pêche sur des cailloux, sur de la vase, sur des moules. Donc, il faut protéger la pointe de l'hameçon un maximum. Donc, voilà, c'est une pointe 30-30. Un montage d'e-ring très très simple. Très 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 simple. Ensuite, j'ai une bouillette ici Fishmill de 24 mm. Je peux monter jusqu'à 30 mm avec une petite pop-up un petit peu plus petite blanche. Ça se voit vraiment bien au fond de l'eau. Alors le tout est relié par un petit bout de fil dentaire, le bait floss de chez Fox, que je viens brûler ici pour faire un arrêt, un genre de stop. Je le fais grossièrement de façon à vraiment pouvoir bien bloquer l'ensemble. Voilà, c'est un montage qui est très très simple. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est lancé, le fluorocarbone maintient lèche très loin du plomb, donc il y a peu de risque d'emmêlement. Il n'y a rien de pire que de lancer ses cannes le soir et de retrouver un montage qui ne pêchait pas la nuit. On est là sur du court terme, donc il faut que ça pêche tout de suite. Donc voilà, un montage très très simple et robuste. Les spots, c'est très simple. En fait, c'est vraiment du très très ciblé. En fait, l'usine d'en face rejette des eaux chaudes. Donc le poisson vient ici y passer la journée, s'y nourrir. Il rentre même parfois dans les gaines d'alimentation, puisque l'eau est quelques degrés plus chaude. Donc il va y passer l'hiver. Donc c'est vraiment des zones très 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 ciblées. Si vous
vous lancez un mètre à côté, eh bien, les touches, elles sont même pas rares, elles sont carrément absentes. Il faut vraiment lancer dedans, donc il faut éviter de mettre beaucoup d'appât partout. Il faut vraiment concentrer le poisson sur ses sorties d'eau chaude et ses quelques spots. Donc là, je pêche sur des zones de vase. En hiver, les poissons sont plus souvent sur de la vase que sur des cailloux, donc ils viennent se nourrir ici. On va dire que ça se passe à 50 cm près. Il faut vraiment que le montage pêche à un endroit donné et pas 30 ou 40 cm à côté. Les poissons sont assez fainéants et ils sortent peu de cette veine d'eau, chaude. Donc voilà, c'est simple, c'est robuste, mais c'est bougrement efficace en plein hiver. À peine remise, début de soirée, une touche à retour. Alors à mon avis c'est un petit poisson parce que c'est encore une petite commune. Elle a été prise dans la sortie d'eau, pas loin. Allez, viens là, qui a été prise, elle est vraiment toute petite celle-là, qui a été prise dans la sortie d'eau chaude. Encore une fois, hop, et là. Oh, bah non, c'est une belle petite miroir. Une belle petite miroir qui, à mon avis, dans quelques années, elle va faire mal. Je vais la montrer tout de suite. Regardez-moi un peu ce poisson de fou, les écailles qu'elle a. Alors ça, à 15-20 kilos, c'est le poisson d'une vie au canal. Magnifique petite pépite. Donc ça, c'est plutôt de bon augure parce que jusqu'à maintenant, on n'a fait que des communes. Et si les miroirs arrivent sur le secteur, il y a peut-être moyen d'alourdir l'addition. Voilà, on va la remettre à l'eau, je vais faire une petite photo et puis je vais la remettre à l'eau tout doucement parce que ça c'est un poisson, il faut vraiment le préserver parce que ça va devenir un trophée. Yes! Voilà, cette petite pêche de 48 heures en plein mois de décembre sur un,
canal grand gabarit se termine. Alors je fais une grosse douzaine de touches, un peu plus de la moitié en termes de poissons, ce qui est quand même pas mal pour un mois de décembre, ce qui est même très bien pour un mois de décembre. Alors malheureusement pas de gros poissons, mais voilà, des touches, c'est le but, parce qu'il fait quand même très 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 froid. Normalement c'est pas le meilleur mois pour faire ce genre de pêche au canal, mais quand on arrive à trouver des secteurs et à sectoriser les poissons, à les repérer, quand on pêche dessus avec très très peu d'appât, puisque j'ai dû utiliser à peine un kilo de bouillette pour cette pêche, donc c'est vraiment avec pas beaucoup de moyens, on arrive à faire quand même une très très belle pêche. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Passé d'un bon moment, un milieu un peu industriel, un peu glauque. Bon, ça craint un petit peu. On s'est pas fâché cette nuit, mais bon, il a fallu faire un peu les gros bras pour pas être embêté. Et bon, voilà, c'est ça la pêche en milieu urbain au canal. Voilà, à très bientôt. Voilà, une superbe session avec Jean-Baptiste dans un environnement qui, pour ma part, me surprend toujours parce qu'il est très loin de ce que j'ai l'habitude de pêcher et qui franchement me plaît beaucoup. Milieu urbain, des canaux très particuliers, quand même technique à pêcher, et une bien belle pêche de Jean-Baptiste pour l'occasion. Pour ma part, une nuit un petit peu plus mouvementée, plus sympa, avec quelques petits poissons, mais des poissons tout de même. Dans une eau qui avoisine les 5 degrés, pas plus. Donc ça reste quand même toujours un bonheur, et c'est vraiment pour ça qu'on se retrouve au bord de l'eau tout au long de l'année. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce volume 4. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude lors des portes ouvertes, des salons. Je vous laisse aussi découvrir l'ensemble des nouveautés 2016 dans la partie bonus de ce DVD. Et de la part de toute l'équipe Fox, on vous souhaite une superbe année de pêche 2016. À bientôt. Poudrer le nez, s'il te plaît, Eric. Pas moi, ça. Non. C'est de la bombe. Je sais pas ce qui arrache le plus, si c'est l'apéro ou les Pringles, mais... Ah ouais, t'as pris du sucre, toi. C'est pas des Tocapi, hein. Oh, pur. Ah ouais, et le Chocapi. Ah là, vous m'avez pris à l'envers. Voilà. Bah c'est pas grave, t'envoies une chaude. Non putain, mais travaille pas dans ces conditions-là. Hein. Quand t'es lancé, tu t'arrêtes plus. Ouais. Je comprends, j'ai des blagues de merde. Non, c'est pas des blagues de merde. Non, moi ça me fait rire. Hein, mais... Je fais ce que je peux. Ah, les gentils. Mais moi ça me fait rire, mon loup. Arrête. C'était le premier à rigoler tout à l'heure. Tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est les choses qui sortent dans en tournage, tu vois. Voilà. Le seul chien qui a ses droits. Il y a une orange et une mamelon.
Sur la base d'une gaine, oh là là, brun, okay. Ça y est, ça va commencer à partir en couille. Bah, je te file. Les gens ils vont croire que j'ai pas faire à manger. Non, j'y vais. Amène un peu de gaz là. Il commence à pédaler là. Je tremble, ça ne va pas. Tiens, moral, tu vas chercher des gueuses. Temps total de la session, 550 euros, 4 pneus. Bah, c'est bien. Quand ils verront le DVD, ils sont contents. Ils sont contents. Je suis en train de faire atterrir un avion. Méfie-toi. Eh bah putain, tu fais des tournages plus fun, hein, comment tu vous le dis. Hein.